La quête de la performance de la diplomatie se poursuit. Un nouvel outil, Aquaba, le guide pratique à l'usage du corps diplomatique édition 2015, vient d'être mis sur pied. C'est tout simplement la réponse aux préoccupations des ambassadeurs relatives au respect de l'inviolabilité des personnes de l'agent diplomatique. Le corps diplomatique voudrait également saluer les avancées de la réforme de l'outil diplomatique de la Côte d'Ivoire. Aquaba présente des avantages divers, des garanties et des facilités accordées désormais aux membres de la diplomatie en poste en Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir de recevoir enfin ce guide diplomatique qui permet de mieux comprendre nos droits, mais également nos devoirs. Alors aujourd'hui, nous avons dans un seul document, un seul guide, toute l'information à notre disposition. Je voudrais saluer cette initiative. Ce manuel et d'autres documents déjà existants ont pour objet de rendre plus aisé le séjour des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et dans les représentations ivoiriennes à l'étranger. Composés de deux kits, ces documents ont été remis par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. L'élaboration des opuscules participe de mon souci constant d'améliorer la compréhension et la pratique des usages diplomatiques en Côte d'Ivoire. Elle participe également de la volonté de la Côte d'Ivoire de se conformer aux usages en matière d'accueil des distingués membres du corps diplomatique. La mise à disposition des manuels de consultation aux diplomates s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la nouvelle diplomatie telle que voulue par le président de la République, Alassane Ouattara.